Bonjour et bienvenue dans Isaac Afterburns Plus Collecte d'items édition ou collectaton, comme vous voulez. Il nous en manque au moins 3. Et j'ai pas envie de reroll parce qu'on a une petite streak de 4 qui existe et ce serait dommage de la flinguer. Mais j'avoue que là, cette première item room, elle me vend pas du rêve. Le pire surtout, c'est que si on trouve la cryphagie, on va devoir le prendre et que c'est pas un très bon item. On verra. Ok, j'y vois pas grand chose à cause de Curse of Darkness, mais au moins je vois les pics. Ça commence doucement. Donc reprenons, qu'est-ce qui nous manque? Faut qu'on trouve des blood clots, ça se... C'est au niveau des boss et de Womb que ça se passe. Eh, vous savez quoi? Ouch. Super. Donc c'est au niveau des boss et de Womb que ça se passe, les blood clots. Faut qu'on trouve l'acryphagie, c'est au niveau des item rooms. Je regrette tellement d'avoir cramé ma bombe. Et puis c'est tout, mais c'est déjà pas mal. Et viens par là toi, merci. J'aime bien quand les ennemis sont dans un couloir. C'est plus facile pour les défoncer. Bon, boss time. The Hunt. Eh ben ça commence. Coton. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 coups pour tuer un petit fantôme, ça veut dire 16 coups pour les prochains. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ils vont plus vite que moi quand. J'ai du mal compté. Ils vont plus vite que. Ils vont aussi vite que moi, voire plus vite, et ils vont dans la direction où je vais à chaque fois. C'est pas pratique pour les esquiver. Et ils tirent. Prochain passage, tu vas trop te prendre le pot, toi. Voilà, ça aide un peu. Le fantôme, le boss lui-même est pas très dangereux, c'est les aides qui sont chiants, quoi. Ok, donc on récupère ça. Est-ce qu'on essaye d'ouvrir le magasin en espérant qu'il y ait quelque chose, ou est-ce qu'on essaye de péter les flammes en espérant qu'il y ait des bombes dedans? J'aimerais bien que cet étage n'ait pas servi à rien. Mais je pense que il va avoir servi à rien. Olé. Sérieusement. Bon. Ben il aura servi à rien. On va prendre Spiderbite. Quand même. L'item est pas spécialement mauvais, mais j'aurais préféré avoir mieux quoi. Et on n'a pas assez de vitesse pour passer ici. C'est triste. Disons que si j'avais pas ouvert une salle secrète toute pourrite, ça aurait pu être sympa. Je l'ai utilisé où ma clé? Ah, on avait peut-être pas de clé au départ en fait. Vous voyez là, on aurait pu avoir plein de pognon. Mais non. Bon, c'est pas grave. Les runs sont longs. Des opportunités d'avoir des items, il y en aura d'autres. J'espère qu'elles paieront un peu parce que. Moi, ça m'amuse de jouer à ce jeu, c'est pour ça que j'y joue, mais. Quand il y en a un objectif, c'est quand même plus satisfaisant si on peut atteindre l'objectif. Hop là. Ok, alors on va commencer par faire ça parce que ça, c'est chiant. Voilà. Surtout que les ennemis ils se jettent tout seuls dans les flammes, donc je vois pas pourquoi je les empêcherai. Ok. Une petite bombe pour compenser ou. Non. Non. La salle du sacrifice. Intéressant. Allez. Hop. Et hop. Parfait. Peut-être pouvoir en faire quelque chose de ça. Oh putain. D'ailleurs, c'est quoi? On va en faire quelque chose tout de suite. Super. Putain, mais ils ont plus de poussée que moi, j'ai de déplacement, ça m'énerve. C'est normal, c'est le principe du perso, mais... Quand même. Allez,
premier portail. Le deuxième portail, il a explosé dans des circonstances mystérieuses. Qui ne sont pas dues à nous, pour une fois. Ok, d'où est le Speedy Mulliboom, la question que je fasse contre ça. Vous avez vu la vitesse à laquelle il avançait, le machin. Ça me laissait quelle chance. J'aimerais bien que l'un de vous explose. De préférence, près de ce truc. Enfin, ils sont intenables, quoi. Aïe. Bon, les chances de deal ayant explosé en vol. On va aller dans l'item room, on va la reroll. Ah oui, on va la reroll. Et c'est nul. C'est d'autant plus nul qu'on peut pas changer d'item actif parce que le D6 est trop utile dans le contexte. Ouais, on a ouvert la carte, c'est un mini-boss là-haut. Hourra! Qu'on va aller faire parce qu'il peut dropper des trucs. C'est le mini-boss le plus chiant de l'univers. Non, c'est pas vrai. Il y en a des plus, beaucoup plus chiants. Il peut juste être un peu fastidieux s'il décide de faire beaucoup de bombes. Comme ça. Hop, ça nous fait quand même deux bouquins dans l'action. Ça a droppé genre trois bombes le bouquin. C'est un peu short hein, quand même. Donc on a une clé, on va sûrement ouvrir ce coffre. Ok, bah du coup, c'était pas la peine. On a une autre clé, est-ce qu'on tente le magasin? Il pourrait y avoir une batterie dans le magasin. Il n'y a pas de batterie. Il y avait 10% de chance de deal en plus par contre. Juste comme ça, par terre. Dans les viscères et les entrailles d'une espèce de grosse peluche. Oh, mais sérieusement, le jeu. Je veux aller voir le boss. Voilà. Pin 1. Normalement, ça devrait pas être un problème, mais dans les petites salles comme ça, des fois, il apparaît très près du joueur. Et le joueur, c'est nous. Ça peut être compliqué. Olé. Non. Allez, encore un petit coup. Parfait, pas de deal. Dommage. Ça commence mou, hein. Aucune amélioration du perso whatsoever. Pas de clé, pas de bombe. Pas eu de bons items, donc forcément. Alors toi. Ok, alors ça va être compliqué avec la putain de chauve-souris qui est énorme et peut tirer quand ça lui chante, donc c'est ennuyeux. Elle va doucement, elle a une grosse hitbox et elle tire, ce qui veut dire qu'elle occupe un peu de l'espace dans les salles. Et elle a 3000 points de vie, bien sûr, n'oublions pas. Ok, est-ce qu'on tente la salle de combat? Allez, soyons fous. Un cœur rouge! Mais va chier le jeu, putain. Un cœur rouge, il me drop. Sérieux. Un cœur rouge. Coffre jaune, une clé, salle de combat, un cœur rouge. Et on fait tellement pas de dégâts sur ces trucs. Lui, je l'ai même pas entamé encore. Ah si, apparemment. Ok, donc j'ai dû croiser les tirs à un moment. Pas grave. Je peux mourir. Là, lui, il devrait pas apparaître dans cette salle. C'est presque un mini-boss, quoi. À ce stade. Vu comment on fait pas de dégâts. Yeah. C'était une belle formation. Dommage pour eux. Elle n'aura pas servi à grand-chose. Yeah, un centime. J'ai pas envie d'entrer dans la Cursed Room parce qu'on a encore une chance d'avoir un deal à la fin de l'étage. Mais bon. Bordel, ça va être long cette salle. Voilà.
On va finir par... On va tous les affaiblir un petit peu. Et au bout d'un moment, ça va finir par passer. Regardez-moi ça. Magnifique, n'est-ce pas? Voilà, hop, hop. Hop. Lui, il va se dédoubler, je suppose. Pas tout de suite. Ah ouais, ok, on est tellement lent que la salle s'est ouverte pour nous dire « Non, c'est bon, vas-y. » C'est quand même un signe qu'on est très très lent, hein, l'air de rien. Sérieusement, il faut combien? 4 coups pour choper un boni? C'est compliqué, hein. Et là, j'ai mon D6 chargé, donc j'aimerais bien l'item room. Et donc, j'arrive dans une salle qui n'est pas l'item room du tout. Avec que des ennemis qui sautent, c'est-à-dire qu'ils sont touchables 20% du temps. Et que les 20% du temps où ils sont touchables, ils nous tirent dessus. Ça n'aide pas beaucoup. Et surtout que même si on les touche, il faut leur en mettre tellement plein dans la gueule que c'est compliqué. Voilà, il reste un champion qui peut me toucher et me faire beaucoup de dégâts dans mes cœurs rouges. Ce que j'aimerais pas. Voilà. Je rappelle aussi que cette salle n'a servi à rien. J'aime bien rappeler ce genre de choses pour bien... bien montrer que le jeu est un enfoiré. Ok, cassez-vous. C'est quoi cette hitbox de merde? C'est l'aile qui fait des dégâts, quoi. Et ils spawnent des ennemis et ils ont tellement de vie que je peux pas les tuer. Yeah. Bon, on va aller dans la curse room. Parce que de toute façon, là, on n'avance pas et on a perdu nos chances de deal. Donc on s'en fout. Ça nous coûte rien de venir ici. Hop, parfait. Et ça me donne un coffre gris. Oui, youra. Ouh. Vous. Vous, vous, vous. Il y a sûrement une salle secrète ici, mais je vais pas prendre le temps d'aligner les mouches avec le mur parce que ça va prendre 3000 ans. On est déjà à bientôt 12 minutes dans Cave Zone et je traîne pas là, c'est pas genre j'essaye d'optimiser les étages ou de tout faire ou quoi là, c'est genre on n'avance pas. Il y a des runs comme ça, genre on a eu 4 bons runs et là aujourd'hui eh ben tu te le mets sur l'oreille et puis c'est tout. Ok, les grosses chauves-souris, on va s'en occuper après avoir fait ça. Ah mais même les boys, on met 300 ans à les tuer. On va compter le nombre de coups qu'il faut pour une chauve-souris. Si je arrive à tuer celle qui est derrière. Déjà. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, sachant qu'elles esquivent, c'est-à-dire qu'elles bougent en diagonale pour ne pas être alignées avec nous. Et que tant qu'elles ne sont pas ralenties, elles sont très efficaces pour ça. La salle s'est déjà ouverte qu'on n'a pas encore tout tué. Sérieusement, c'est un indicateur du temps qu'on passe, hein. Genre c'est des salles, normalement elles s'ouvrent au bout d'un moment quand on n'a pas tout tué, c'est au cas où on n'a pas de moyen de finir la salle. Genre si on n'a pas d'attaque à longue portée, et qu'il y a des ennemis derrière du vide, il faut pouvoir passer. Normalement c'est pas fait pour s'activer quand on est trop lent. Bordel. Magasin, yeah. Ah et puis en plus on a Curse of the Blind, bien. Yeah. Et on n'a pas de sous. C'est quoi? Hop. Et voilà. On a 3 pièces. Oura. Il n'y avait pas une clé d'ailleurs, en parlant des 3 pièces là. Non, il n'y a pas de clé, il y avait une bombe. On va prendre la pilule parce qu'au point où on en est, de toute façon. C'était une mauvaise pilule. Ah, j'ai trouvé l'item room. Ouais, alors, avec Curse of the... avec Are You a Wizard, toucher des ennemis qui se déplacent vite, enfin, raisonnablement vite, c'est-à-dire
putain de mouches jaunes avec un coup sur deux, parce que même si on les a, on se met en diagonale. C'est ça le truc qui est pire, le pire des pires avec Argo Wizard. C'est comme si tu te dis, bah c'est facile, j'ai qu'à tirer en diagonale. On tire en diagonale dans deux directions. Ça veut dire que l'ennemi, même si on l'aligne avec notre tir, on le touche une fois sur deux. C'est-à-dire qu'on est deux fois moins efficace. Je rappelle que là, on est déjà, même à 100%, on n'est pas efficace. Même à 100%, c'est une blague. Et vous avez vu la capacité de rotation des larmes, des trucs, c'est incroyable. Ouais, ça aurait pu ouvrir la salle secrète ici. Ça ne l'a pas fait. Pourquoi pas, hein. C'est tout. Allez. Enfin, si ça pouvait dropper une clé, mais si ça droppe une clé, ça sera au mieux. Je pourrais pas y accéder de toute façon. On a plus de vie. Vous savez quoi? On va aller voir le boss. Dark One. Fantastique. On va juste mettre 3000 ans à le battre. Y a pas de problème. Il représente pas une grosse menace, hein. On va juste mettre 300 millions d'années. Regardez sa part de vie qui descend quand il se prend des coups. Et maintenant, vu qu'il est la moitié du temps off-map, c'est compliqué. Boum, 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 boum. Faudrait que je mette des petites musiques dans ces combats. Remplacer la musique du jeu pour mettre des trucs ridicules, mais je sais pas trop quoi. Je connais rien d'aussi ridicule que les runs lents. Aïe. On vient de griller nos chances de deal parce que je suis en train de mourir d'ennui sur ce combat. Y'a rien de drôle, c'est juste tu te mets là et oh, tu te fais un pas sur le côté. Oh, j'ai fait un autre pas sur le côté. Oh, j'ai fait un pas sur le côté. Oh, j'ai fait un autre pas sur le côté. Ouais, damage up. Ouh, bon item. Pour une fois. Bon, c'est bon, il peut se passer quelque chose dans ce run là. On est dans Cave 2 à 16 minutes. Et j'ai pas fait toutes les salles parce que j'ai pas pu entrer partout de toute façon. Et hop, on va se mettre là comme ça. On va faire ça. Toi t'es mort, toi. T'es mort aussi. Toi t'as quoi à dire? Rien. J'ai presque envie de jouer pour avoir du pognon. C'est nul. C'est nul, mais en même temps, on a tellement rien. Regardez les items qu'on a. On a eu pentagramme, ouais. Après, la pièce ne nous aide à rien. Le placenta, c'est un HP up. C'est clairement pas un truc spécialement utile, en fait. La régène est tellement lente que de toute façon, voilà. Bite me. Slow effect. C'est plutôt négatif en fait, parce que des fois ça proc, ça nous empêche de jouer. Et Nearsighted Friend. Ok, on a eu notre deuxième utile, sachant qu'on est dans Cave 2. Hein. Notre deuxième item utile, ici. Voilà. C'est ridicule. Et le deuxième item utile, ça a été Small Rock, qu'on a chopé au random. Comme ça, comme ça. On n'a pas la carte et on n'a plus de vie. On va peut-être mourir, hein, avec un peu de chance. Je sais même plus si c'est des champions qui explosent dans je sais pas quelle direction. Qui font tellement d'ad que j'arrive pas à toucher le champion derrière. Et le machin, il a... Allez. On arrive... Il va y arriver, oui. Je peux pas le toucher, il fait des ads. Et il se divise, ok. Ah oui, en mourant, non seulement il se divise en deux comme lui, mais il fait aussi des ads en explosant. Parce que la salle s'est ouverte, encore. Le jeu se fout de ma gueule. Le pire des runs, quoi. J'en avais juste tellement d'ennemis qui spawnaient tellement d'ad qu'on n'arrivait pas à les tuer. La triste... Oh putain. Ok, toi tu meurs.
Ouais, on s'en fout. Ok, donc là, on doit éviter de se prendre des ZAD, des explosions. Ou des tirs. Parfait. Même combat pour toi. On a deux clés, c'est bien. C'est nul. Je regrette d'avoir pris la batterie tout d'un coup. Ok. Aucun de ces items n'est intéressant. Toujours pas intéressant. Non mais allez, laissez-moi crever, putain. Allez. Tout, 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 tout. Ok, là je suis mort. Parce que lui... à moins qu'il ne meure loin de moi... j'arriverai pas à gérer... intuable le truc. Ouf, 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 ouf. La tristesse du run, quoi. Bon, on recommence, parce que là, faut pas déconner. On se donne le droit de reroll maintenant, vu que j'ai flingué la streak, de toute façon. Et donc... tac, 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 tac. Tac. Toi. Non. 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 Je veux un bon item pour commencer. Ok, c'est un bon item. On peut pas dire le contraire. Pour commencer, en tout cas. Voyons voir jusqu'où ça nous mène. Alors, c'est déjà beaucoup, beaucoup mieux que le run juste avant. Le run juste avant où, je rappelle, les salles s'ouvraient avant qu'on finisse de tuer les mobs, tellement on était lent. C'est quand même quelque chose de... ah ouf, bien joué, espèce de gros sac à merde. Bien joué. Burning Basement, c'est toujours un problème. La clé gratuite, s'il vous plaît, merci. Est-ce qu'on tente le magasin? Est-ce qu'on a quelque chose d'intéressant à trouver dans le magasin? Non, hein. Techniquement, on a un truc intéressant à trouver sur les boss, potentiellement, mais... faisons ça. Salle secrète? Oui. Magic Mushroom? Non. Mais en même temps, il y avait peu de chance. Larry Junior, modèle chieur. Et j'ai encore une fois pété mes bombes de façon un peu prématurée. J'ai cru que j'allais me faire prendre un sandwich là. Ça m'aurait ennuyé. Larry Junior version, j'ai beaucoup de vie quoi. Mais je me divise pas. Donc. Ah bah si. C'est juste qu'il a beaucoup de vie. Merci. Merci. Pourquoi j'ai pris ça? Je devais le reroll. Ah, mais c'était un... une erreur de ma part. Voilà, on a tué le spawner. Tout se passe beaucoup mieux qu'il y a 2 minutes. Moi, je dis... ça va. Tac, 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 tac. Le fait est, on one-shot les mouches. C'est déjà mieux par rapport à ce qu'on avait avant. Hop, 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 hop. Parfait. Oui. Alors, non. 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 Non, il n'y a pas de raison de prendre Forget Me Not. Pas tant qu'on a le D6. Ouch. Oh, mais... putain de cailloux de... ah, ils sont chiants ceux-là. Ils sont pénis, hein, ils sont pénis. Ok, je veux pas me faire toucher, il y a des flammes. On va abuser des flammes. Les flammes, c'est bien.
ça balance, ça brûle les mouches. Regardez, hop hop. Bon, il y en a qui passent autour parce qu'il y en a trop. Mais c'est rigolo quand même. J'aimerais bien avoir mon deal par contre, donc on va essayer de se pas toucher trop, trop fort. Ok, eux ils devraient pas faire de mob dad trop maintenant. Ces mouches là, des fois elles explosent dans des directions qui n'ont pas de sens. Enfin, elles explosent. Elles vont super vite dans des directions qui n'ont pas de sens. Ce ne fut pas le cas. On a 2 centimes, mais ce qu'on porte le magasin. Non. On a notre item room à reroll de toute façon. Si on pouvait trouver la cryphagie, ce serait super cool. Si on pouvait avoir plein de bombes aussi, ce serait super cool, mais... À ce stade, il en faudrait au moins 3 d'après ce que j'ai vu. 2 si on est patient. Mais Eh, vous savez quoi. On va essayer de trouver des bombes. Et les 2 coffres de pierre, ça peut toujours être sympa à péter les coffres de pierre. Est-ce que j'ai bien fait de prendre Monstrous Lung? Je dirais que non, mais j'aime bien l'item. Il est pas très efficace par contre. Surtout quand on a une cadence de tir discutablement basse. Comme c'est le cas actuellement. Ok, il nous reste une salle, un magasin. On va tenter la salle, ça se trouve on va choper un truc utile dedans, mais... Je pense pas qu'on trouve une grosse... une bombe dorée, ce serait trop pratique. Le magasin, on a 2 centimes, donc c'est pas vraiment la peine d'aller se faire chier. Ok. Un, deux, et deux, trois. Bon, Monstrous Lung, on tire pas souvent, mais quand on tire, on tue. Allez, est-ce qu'il y a une promo? Il y a une promo. Est-ce que c'est explosif derrière? Non. Ça aurait pu, hein. Ça aurait pu. Mais ça a pas. Bon allez, tant pis pour les coffres de pierre. À un moment, il faut savoir aller de l'avant. Toi, tu vas te prendre une tellement grosse tartasse dans la figure. Allez, deal. Super. Pas fan de Krampus. Oula. Surtout quand il fait ça. On va pouvoir se battre tranquillement maintenant. Il n'y a plus de flammes au milieu du chemin. Ça c'est bien. C'est un boost de dégâts plus ou moins. Je dis plus ou moins parce que c'est un boost de dégâts quand on est loin des mobs. Quand les larmes en fait c'est pas quand on est loin, c'est quand les larmes voyagent beaucoup. Donc non, je crois que c'est littéralement quand on est loin en fait. Bleur. Bleur. Hop. Je pensais que ça finirait tout le monde. Nope. Et voilà. Push, push. Alors, item room tout de suite, s'il vous plaît. Non, bon, tant pis. J'aurais cru qu'il y aurait une salle secrète ici. Je me serais trompé. Ok. On passe sans se faire de mal entre les larmes. On attend que les autres crétins se pointent. Et... paf. I want that. Pognon. Yes. I want that. D'où il avait pas tiré avec les autres. Normalement, ils ont au moins 2 sauts de marge avant de recommencer à tirer. Là, ils peuvent pas tirer d'un saut à l'autre, quoi. Il me semble, après c'est empirique hein, comme observation, mais ça avait l'air de bien tenir jusque là. Ok, je sens qu'on va trouver le boss avant l'item room. Ce qui est pas très grave en soi, mais bon. Voilà.
c'était pas exactement la situation idéale. Merci d'être mort. Bonjour, Husk. The. Ouais, c'est quoi cette vitesse là? On va se calmer, hein. Un des rares ennemis qu'on peut pousser. Ça c'est Bloodclot. Et ben voilà, il nous en manquait pas 7, il nous en manquait 1. Hop. Et donc, on a débloqué Emolacria. Ce qui est plutôt cool. Alors c'est un truc qu'on trouve dans les item rooms aussi, donc on va beaucoup reroll les item rooms à partir de maintenant. Mais ça veut dire qu'on n'a plus que les lits à trouver comme chose à débloquer, je crois. Et tout ira bien. Tout ira... Enfin, et ce fichier sera complété. Le truc, c'est que quand ce fichier sera complété, il y a des chances que je recommence pour en compléter un autre. Moi, je dis ça, je dis rien. Parce que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait le jeu du début, en fait. Sale bête. Voilà, d'apprendre à... Voilà. Donc, on approche, on approche. Donc, plus grand chose, en théorie... Toi, si tu pouvais juste... Voilà. Ça sent aussi la salle secrète, ça, hein. J'ai envie d'y croire. Et j'ai raison. Ça, on a... Alors, on va pas le péter. Parce qu'on a déjà battu le boss. Et donc, on peut plus augmenter nos chances de deal, en fait. Pas pour cet étage. Ça, c'est nul. Mais on va pouvoir le reroll. Ok. J'ai très mal géré mon action, là. Comme je peux pas tirer très vite, c'est compliqué. J'aurais bien aimé un petit joker là. Ça aurait été la cerise sur l'étage. Est-ce qu'il y a une batterie qui traîne? Non. On a une bombe. Et on a encore quelques salles. On va utiliser le reroll parce que là pour le coup... On ne devrait pas prendre quad shot. Mais bon, vu que le run a déjà débloqué quelque chose, on va dire que ça va. C'est pas perdu, on n'est pas venu pour rien. Et donc, on prend quad shot. On charge beaucoup plus longtemps. On met beaucoup plus de temps à charger. Par contre, on tire aussi plus de boulettes, normalement. Et ça, c'est bien. Bombinette. On va essayer de chercher une salle secrète près du boss quand même, histoire de dire, genre là. C'est... La salle secrète se décline en plusieurs versions. Il y a les versions de merde. Et puis, il y en a d'autres, mais on les voit pas souvent. La salle de combat, on va pas vraiment pouvoir y entrer là. Ça va pas vraiment être... Ouh, le temps de charge, comme il va faire vraiment mal. Si on pouvait trouver des tiers up aujourd'hui aussi, ce serait pas mal. Allez... Ah, si on pouvait aussi tuer plusieurs ennemis à la fois, parce que... Je l'ai même pas tué. Tiers up? Non, c'est normal. Ah! Ok, il va falloir s'habituer un tout petit peu... au fait qu'il nous faille 10 secondes pour charger un tiers. Et du coup, il faut aussi s'entraîner à ce que le tir touche. Parce que sinon, ça va être compliqué. Voilà, là, le tir touche. Hop. Et elles étaient exactement le plus éloignées possible qu'elles pouvaient être, ces bestioles. Et donc, c'était bien chiant. Ok, là, on va faire un peu de catering. On va les rapprocher. C'était presque parfait. Tears down. Ah. D'accord. Ça va te faire foutre aussi le jeu, hein. Je veux que je te dise. Le machin, il m'a mis un tears down dans la figure. Le problème du tears down, c'est que ça nous fait moins 26. Alors ça va pas changer significativement notre temps de charge. Vu qu'il est déjà ridicule. Mais quand même. Ah si, ça a un impact. Hein. Mais ça pouvait pas tuer les deux trucs en même temps, un peu là.
super. Y a quoi dans la salle de combat? Tentons ça. Un coffre gris, on va même pas regarder. On a tellement de vitesse, quote unquote, qu'on va pas regarder le coffre gris, quoi. Ok, là j'avais aucune chance. Sérieusement, je... 'Cassez-vous les araignées. Butez-vous entre vous. De toute façon, elles sont très efficaces pour traquer le joueur. Et pas pour s'aligner comme il faut pour se prendre un grand coup dans la figure. C'est pas chic. Ok, il faut qu'on trouve quelque chose pour changer notre cadence de tir. Parce que là, Monstrous Lungs plus Quad Shot, c'était effectivement rigolo, mais une mauvaise idée. Allez, on est chargé. Alignez-vous. Dommage. Eh mais je vais crever, ça se continue. Oulala, oulala. Ok, donc on va se calmer sur les vitesses. Bon après, si le run est flingué, c'est pas grave, hein. Je veux dire, à ce stade. Peu de vie. Nope. Une bombe en promo, cela dit. La batterie sera peut-être intéressante si on arrive à avoir le pognon. Bon, cassons-nous, l'araignée, elle va mourir toute seule. Oh oh! Parfait. Non, mauvais item. Mauvais trinket. Ok. Deuxième portail, si c'était possible. Ça va être compliqué. Ouais, ça va être très compliqué. Oh là 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 là. Si on trouve un PhD, on aura des tiers up. Est-ce que c'est bien raisonnable d'attendre ça? Oh, il est pas mort. Bon, est-ce que c'est bien raisonnable d'avoir si on trouve un PhD pour avoir des tiers up? Je ne sais pas. Ok, ben vous avez vu les dégâts qu'on fait à chaque tir. Ça va être stable. Saleté, il a tiré bien décalé pour une fois. Non, c'est pas possible. Je peux pas tenir un run qui est aussi lent que ça en termes de vitesse de tir. Et on fait des dégâts, hein, c'est pas le problème. C'est juste tellement... Ouais, range up. C'est juste tellement ridicule. Bon, on a 4 centimes. Si on trouve encore 1 centime, on a une batterie. Ça peut être bien. Putain, je l'ai plaqué au mur avant de l'exploser, l'autre truc, quoi. Et là, malheureusement, ça n'a pas marché. Ok, donc tout le monde est mort. Vous avez vu comment ils tiraient en séquence les uns après les autres? C'est très chiant. Non mais... Allez, un item cool. Un item cool. C'était pas un item cool, c'était un item pour... Je comprends la confusion des fois. Item cool, item pourrave, on peut se tromper facilement. Et ça la pâche. Parce qu'en plus on fait pas énormément de dégâts par l'arme, c'est ça le drame du truc. On en crache plein mais vu qu'elle touche pas toutes, ouais, il fallait que je tue le spawner parce que sinon c'était une par une qu'on les faisait. Et on n'allait jamais y arriver. À ce stade j'hésite à ouvrir le coffre gris de la salle de combat. Je vous le dis tout de suite. Hop là. T'es. Ok. On charge.
Chargé. Pourquoi ils se sont séparés, ces connards? C'est parfait. Ok. Ça ne l'a pas achevé. Mais vu qu'il s'est jeté dans les flammes, tout va bien. Pourquoi? Merde, j'ai plus de vie. Ah, génial, j'ai relâché trop tôt. C'est pratique. C'est très pratique. Voilà. On va... Là, franchement, on n'est pas en danger. Si je suis un tout petit poil attentif. Échec. Parfait. Un cœur, ça me va. Faut juste que je marche pas dans des pics en chemin. C'est faisable. Est-ce qu'on tente... Putain, là, le coffre gris. Il y a peut-être une bombe dedans, des sous, des cœurs. Un coffre jaune. Il y a peu de chance, ça, par contre. Et on peut pas y aller parce que ça s'est refermé derrière nous de toute façon. Bien, bien, bien. Donc, on va griller nos 5 centimes pour avoir l'item room rerollé encore une fois. C'est triste. À deux charges. Mais on essaye. Je suis même pas sûr. Oh, tears up, bien. Moins 4, fantastique. J'ai eu plus 23 tout à l'heure. Je suis même pas sûr en fait que les items qu'on a débloqués puissent apparaître ici. C'est le cas des Molacria. Mais l'acryphagie, on l'avait débloqué avant, donc lui c'est sûr qu'il peut apparaître. Mais par contre, ça commence à être un peu le festival de l'alarme. Hein. Là, quand on tire pas souvent. Mais quand on tire, ça dépote. Ok. Alors on va juste charger bien longtemps notre tir. Là on tue les ennemis un par un. Ils sont jamais alignés pour se faire choper plusieurs fois quoi. C'est scandaleux. Ouch. Oh, une araignée. Combien de temps allons-nous mettre à la tuer? Qu'est-ce qu'il nous reste? Ça. Fantastique. C'est dommage parce que c'est bien Choup Daoup. Ah, j'ai peur de me prendre les piques là. C'est sympa Choup Daoup, mais oh merde. Mais bon, on va pas non plus prendre le, on va pas non plus lâcher le D6 hein. Donc pourquoi il a sauté? Pourquoi il saute aussi vite? C'est de foiré. Ok, c'est un champion qui reste, il va me... Le creep, merci. Non mais... Sérieusement... Il est vulnérable que quand il est au sol, je rappelle. Hein. Quand il est en l'air, on ne peut pas le toucher. Putain. Ok, on va rester là, parce que là, on devrait être relativement à l'abri. Pas du tout en fait. La charge. Ah, merci. Oh bordel. Oh bordel. Oh lolololol. Toi, tu es tout seul, mais c'est pas grave. On attend que les deux se rapprochent. Hop là. Parfait. Parfait, dit-il, alors qu'on est. On est où là? Ah quand même, on avance hein, l'air de rien. Et oui, on pouvait pas voir les deux en même temps. Donc on attend. Super, on n'a pas trouvé l'item room, mais on a des idées. Le boss. Ah, c'est bien aussi, vous me direz. Hein, mais... Ce temps de charge. Ok, on va rester loin parce que l'araignée là, elle est très... Putain. J'ai relâché un poil de second. Arrête de spawner des mobs, toi. Voilà. Donc voilà, on est... Oui, j'ai peur d'une araignée, mais en même temps, j'ai un demi-cœur et je n'attaque pas, donc... Les runs pacifistes, c'est pas très pratique, en fait. Il est où, le coffre, là? Bordel. J'ai eu peur d'avoir repoussé trop la bombe. Ouais, du pognon. Ça ne nous aide pas spécialement, mais... Voilà, on a éliminé la menace la plus immédiate.
Sérieusement, t'as combien de vie toi? Machin, il s'est pris je sais pas combien de tirs de ça là. Ça aurait dû l'achever plus vite. Bon, 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 bon. Salle secrète de la vie. Pas de salle secrète. Bon, elle est où l'item room, sérieusement? On a 8 clés, les cocos. Et 0 au cœur. Il est accessible le cœur ici? Absolument pas. Absolument pas. Ok. Ok, donc j'ai éliminé ce qui semble être une menace à très court terme. Ça aussi. Fou. Coucou, je suis là. Voilà, comme ça on sait à peu près où t'es. Fantastique. Putain, je vais la trouver mon item room. Ouh là là. Double meuf. Double E. Décontracté, le jeu nous balance l'ennemi le plus chiant, qu'on doit tout tuer un par un. Et on attaque à cette vitesse. Une cadence de tir de 125, c'est assez inacceptable pour ce genre de boss. Alors là, il faut être attentif, bien sûr. J'aime bien ce qu'une larme ne one-shot pas les petits trucs encore. C'est un des symptômes de notre run. Très coloré, très visuel, mais très inefficace. Et il ne drop pas d'item, ni de vie. Parce que ça aurait été pratique. Donc ok, ben l'item room, il y a des chances qu'elle soit plus par là-haut, ou pas. Ok. Non, non. Je voulais finir celui que j'avais entamé, bordel. Vous savez quoi? On a débloqué Emolacria. Je vais lire les runs lents aujourd'hui, c'était la thématique. La thématique des runs lents. Et la prochaine fois, on va trouver Emolacria et l'Acryphagie d'une façon ou d'une autre, parce que je vais faire des rerolls au spawn jusqu'à ce qu'ils drop dans les item rooms. Ce sera un truc.